Non, en fait, je pensais, mais j'ai voyagé beaucoup en Colombie, Mexique, Pérou. Vous savez des mots en espagnol ou pas du tout alors? Ah, que tal? Ah, que tal? Muy bien, et tout? Ok, alors, est-ce que vous pouvez répéter? Vete. Vete. A la chingada. A la. La chingada. Donc c'est peut-être la phrase bête à la chingada. Ça veut dire quoi, bon, je répète? C'est une insulte mexicaine en fait. Ah bah oui, mais bon. Vraiment, si vous savez prononcer les insultes mexicaines. Ouais, et elle veut dire quoi cette insulte? Ça veut dire un petit peu, bah, dégage d'ici quoi. Bête à la chingada. Bête à la chingada. D'accord, bah, je vous remercie beaucoup, c'est bien prononcé. Mais à quoi ça vous sert de... Merci. Bah, c'est que les Mexicains s'amusent en nous voyant les Français en train de répéter leurs mots typiques en fait. D'accord, okay. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous avez déjà appris l'espagnol dans le pays? Non, non, jamais. D'accord. Donc voilà, vous répétez no te hagas. No te hagas pendejo. 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 No te hagas pendejo. No te hagas pendejo. No te hagas pendejo. No te hagas pendejo. Ok, en vrai, ça veut dire ne sois pas con. Ah oui, no te hagas pendejo. Voilà, no te hagas pendejo. Faites-vous plaisir dans la vie en tout cas. Ok, alors merci beaucoup. Merci. Gracias. Au revoir. Au revoir. Vous avez déjà appris l'espagnol? Oui. Vous savez dire des mots en espagnol? Oui. Quel mot? Buenos días. Buenos días. Ok, alors il faut répéter un mot très mexicain. C'est pinche. Pinche. Cabrón. Cabrón. Voilà, vous pouvez répéter? Cabrón, mais c'est une insulte. Oui. Pinche cabrón, c'est une insulte qui est vraiment typique mexicaine. D'accord, bah, vous avez très bien prononcé. Bon. Je vous remercie beaucoup. Là. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Ok, salut, comment tu t'appelles déjà, je me suis... Mohamed. Mohamed, ok. Ouais. Et est-ce que tu peux répéter en anglais? Donc, chinga. Chinga. Tu madre. Tu madre. Ok, répète toute la phrase. Chinga, tu madre. Chinga, mutadre. Non, chinga, tu madre. Chinga, mutadre. Non, chinga. Chinga. Tu. Tu. Madre. Chinga, tu madre. Très bien. Ok. Donc là, en fait, tu viens de dire une insulte en mexicain. C'est vrai? Oui. Oui, je sais, en plusieurs. Tu l'as bien entendu? Oui. Voilà. En fait, c'est pour savoir comment prononcent les Français ou les personnes en France les mots mexicains. Okay. Mais toi, tu es de Jordanie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, bah, tu as un très bon accent mexicain. Merci. Bah, merci alors. Non, de rien. En fait, tu pourrais répéter un accent sur le YouTube, sur les vidéos qui m'intéressent ou pas? Pourquoi? Pourquoi? Mais... Pour parler en mexicain, pour dire pinche güey. Oui. Pour répéter ça devant la caméra, c'est pour savoir si les Français savent prononcer le mexicain. La vidéo en mexicain. Oui, c'est une vidéo pour le Mexique. Oui. Vous voulez participer? C'est une seconde. Vous répétez un mot en fait. De rien. Vous voulez pas? Non, non, je m'en fous. Oui. Ok, il faut répéter pinche. Pinche. Güey. Pinche güey. Encore une fois, pinche güey. Pinche. Pinche güey. Pinche güey. Pinche güey. Pinche güey. Güey, 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 güey. Voilà. Ouais, marrant, mais ça veut dire marrant. Pinche güey. Mais c'est toi, tu es allemand? Français. Français. D'accord, bah merci beaucoup. Non, bah, rien, non, c'est pas compliqué. Merci beaucoup. Vas-y, vas-y. Répétez, répétez. À la belga. Bête à la belga? Non. Bête. Bête. À la belga. À la belga? Non. À la. À la. Belga. 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 Très bien. Bête à la belga. Et pourquoi? Je sais pas. En fait, c'est une phrase qui est en mexicain qui veut dire bonjour les amis. Vous pouvez répéter? Bête à la belga. Ouais, ben, je vous remercie beaucoup. Ah, ça a été bien ça, ouais. Vous avez une petite chanson française pour les Mexicains? Vous auriez pu faire une petite chanson française? Bête à la verga. D'accord, bah. Ah, vous pouvez répéter alors. Viva oui. Mexico. Viva Mexico. Très bien. Ouais. Mexico. Alors, au lieu de dire l'Espagne, je vais chanter Viva Mexico. Ouais, avec une petite danse. Alors voilà, ça va. C'est très bien. Ouais. Viva Mexico. Vete a la verga. Voilà. Et voilà, c'est très bien, je vous remercie beaucoup. C'est dommage, ouais. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Est-ce que vous avez déjà appris l'espagnol dans votre vie? Donc vous avez voyagé au Mexique. À quelle ville? De Mexico. La capitale? C'était bien? Oui, c'était très bien. Vous aimez bien les Mexicains en général? Oui, très sympathique. Vous avez aimé manger beaucoup de tacos et burritos?
D'accord, donc on va répéter une petite phrase vraiment typique mexicaine. Los mexicanos. Los mexicanos. Son muy chidos. Son muy chidos. Ok, toute la phrase. Los mexicanos son muy chidos. Los mexicanos son muy chidos. D'accord. Donc vous venez de dire en fait aux Mexicains qui sont super méga cool, c'est vraiment. Ah ben oui, non mais je suis tout à fait d'accord. D'accord, donc. Muchas gracias. D'accord, donc gracias, vous pouvez dire aussi. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.